Salut à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 8e épisode de la saison 2 de Oxygen Not Included. Alors on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc il continue à construire tout simplement. On va continuer à faire les tuyaux. Il continue doucement mais sûrement. Et on va alimenter tout ça maintenant. Alors, les câbles électriques, on va faire ça comment? Bien de la même façon. Alors, voilà, non. On annule, je me suis trompé. Donc, câble électrique ici au-dessus. Très bien. Ici au-dessus. Très bien. Ici, on passe dans le mur et là. Ici, on passe. Voilà, un trop loin. Et voilà. Alors, non, on va retourner au tuyau. On retourne au tuyau, donc ici. Donc ça va monter. Alors, petit problème. Non, c'est bon pourtant. Donc, ce qui va se passer ici, pour vous expliquer, il y a je réfléchis, oui. Les pompes vont alimenter directement le tuyau qui est là. Donc, ça va passer dans tous les filtres, ça va descendre au fur et à mesure, tout en filtrant, bien entendu. Une fois que c'est arrivé tout en bas, normalement, il ne devrait plus y avoir que de l'oxygène qui va être réinjecté dans le circuit. À côté de ça, on va pouvoir... tout l'oxygène qui va sortir ici va aussi être réinjecté dans le circuit. Mais pour le moment... Donc, s'ils veulent bien construire, je vais peut-être augmenter la priorité. Alors, priorité 9... Enfin, quoique... Non, ici d'abord. Voilà. Ok, presque. Voilà. Ça, c'est déjà un peu en moins. Ici, il y a toujours l'échelle qu'on peut faire. On va la faire. Priorité 9. Ensuite, en priorité 8, eh bien, on va commencer à faire le courant ici. Voilà. Très bien.
ça a commencé à construire. Ok. Les réserves d'eau commencent à descendre. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être... on va fermer ici, là. Donc, voilà, on va fermer... Enfin, quoique, on va fermer ici, plutôt. Oui, je vais augmenter la priorité, je vais la mettre à 9. On va mettre une porte à 9 aussi. Alors ici, attention, il y a un problème de d'inondation. Un problème d'inondation. Donc là, il faudra faire quelque chose. Déjà, on va arrêter la pompe. Voilà. Heureusement, c'est pas trop grave parce qu'on a encore pas mal d'eau. Ici, on va fermer complètement. En 8. On va fermer complètement la porte. Voilà. Comme ça, ils sont obligés de venir chercher l'eau ici en bas. Alors, c'est très bien. Priorité, on va mettre un 9 ici. Voilà. Là, c'est très bien. Ici, on va continuer à mettre du mesh tile. Sauf au dernier. Alors, un nouvel arrivant. Si c'est pas un bon. 4, 8 et 9. Ah, le 9 à la limite. Technicien. Non, on va... On va les rejeter. Alors, priorité 9. Voilà. Alors, je voudrais bien qu'ils viennent pomper l'eau ici. Un peu à la fois. Mais donc, c'est pas trop grave pour le moment. Ici, c'est bon, c'est relié. Donc, comme j'ai dit, ce qui va se passer, on va commencer déjà à faire les liens. Non, il faut d'abord que je termine ici. Alors, pour terminer ici, on va ouvrir là. Non, carrément, l'échelle. À 9. Ici. Quoique, je vais attendre pour le dernier. Ici, on peut faire ça. Ouais, je vais fermer complètement en attendant ici. Voilà. Je mets déjà ce qu'il faut. Je vais augmenter la priorité ici. Voilà.
Ici, on va creuser. Et là, on va le mettre en priorité 9. Comme ça, on va pouvoir mettre la pompe tout en haut. Alors, il y a une bestiole ici à tuer. Alors, on attaque. Voilà, très bien. Alors, on va continuer donc à mettre en mettant la pompe ici. Cette pompe, on va lui donner ici. Ah oui, zut. J'ai peut-être pas pensé à ça. On va dire qu'on va le faire comme ça. Voilà. Alors ici, on va creuser. Voilà. En priorité. Bon, ils vont d'abord aller dormir. Alors ici, c'est très bien, on a fait. Alors on va descendre ici ensuite. On va pouvoir continuer à... Bon non, on va laisser comme ça. Alors ici on va arrêter, on va désactiver quelques terrariums. Ça ne sert à rien, on n'a plus de CO2 ici. Quand on en aura ça, on le fera. Alors ici on va désactiver le générateur hydrogène, ça ne sert à rien de le laisser. Alors ici, la priorité, je la mets très basse en attendant. Et on va continuer à creuser. Priorité 9. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer de faire tomber toute l'eau. Ici, on va laisser ouvert, donc en open. Très bien. Toi, t'as réussi à te bloquer, c'est super. Bien entendu, tu vas pas aller taper sur celui où tu es, hein. Non, c'est trop facile. C'est mieux. Voilà. Heureusement que c'est du priorité 9 ici, hein. Sinon, je ne sais pas où ils seraient, les gens. Oui, c'est ironique. Je l'avoue. Donc, on va continuer un peu le courant. Voilà. Ici. Ok. C'est bon, il peut sortir. Et allez, il s'est endormi dans l'eau. Bah ouais, mais rentre chez toi. Je sais pas.
Allez, alerte rouge là, parce que il y a un idiot, Hassan. Voilà, c'est bon, maintenant tu peux dormir. Bon ben, il fait jour, tant pis pour vous. Voilà, il est mort. Première mort. Ok, donc là on va laisser... On va laisser couler tout ça. On pourra donc prendre un nouvel arrivant. Encore faut-il qu'il soit... correct. Alors, il commence à plus manquer de... manquer de nourriture, pardon. Eh bien, soit on va remettre... Bah non, il est en marge, donc il n'y a rien à craindre. Je ne sais pas ce que j'ai avec mes mots aujourd'hui. Ok, alors ici, on va le mettre à 7. On peut creuser là. Ça coule trop doucement. Mais ça coule. Ça diminue. Non, pas vraiment. Ici, ça diminue. Il y a peut-être encore une mauvaise gestion des fluides. Hein, puisque là, plutôt que de tout s'étaler, non, ça reste bien groupé. Ce serait peut-être à cause de cette eau polluée juste là. Mais je vois pas pourquoi. Alors, c'est toujours aussi inondé ici. Ah, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a les toilettes aussi qui... Les toilettes et les douches. Alors, un nouvel arrivant. Espérons qu'il y en a un beau. Pas vraiment. Alors, on les rejette tous. Tant pis. 79 de stress, là. Ça commence à faire énorme. Il va falloir que je pense à mettre des tombes. Donc on va faire un cimetière. Et le cimetière, on va le faire... eh bien, on va le faire ici. Alors... Non, on va d'abord creuser. On va creuser ici. Ouais, quoique... Non, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc on va le faire ici, comme ça. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'ils ont... Ils sont occupés de creuser ici. On va continuer de voir un peu pour les tuyaux. Les tuyaux de gaz, bien entendu. On va diminuer la priorité parce que pour l'instant, c'est pas nécessaire qu'il soit très haut niveau. Donc ici, voilà. Là, ça va passer ici. Donc ça va revenir ici. Je suis allé trop bas. Bon, on verra après. Thank you.
Alors, il y a beaucoup de problèmes de courant. Ce qui fait que les pompes ne sont pas très efficaces. Le stress ne diminue pas. Alors, il y a qui? Il y a l'INSEE à 69, Turner à 65. Mais ça, c'est le décès, hein. Ça n'aide pas. Hop, alors, les priorités ici. Voilà. Très bien, c'est mieux. Ok, et maintenant on va mettre, ça va être dans les décorations. Une petite tombe et même une deuxième au cas où pour la suite. On va mettre aussi une porte. Ah mince, non, 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 non. Toi ici, on t'annule. Tu vas un plus loin parce que j'ai oublié que... Donc toi ici, on t'annule et on met la porte ici. On va mettre une deuxième tombe plus loin. Retourne voir le gaz. Donc, tout le gaz va arriver ici dans ce tuyau aussi. Peu importe qu'ils arrivent de là, de plus bas, il va arriver ici. Ici, il va être filtré une première fois. Là, le filtre, on lui a dit, ce sera une gaz naturel. Le gaz naturel va arriver ici. Alors, si jamais c'est pas du gaz naturel, il continue. Il arrive ici, il passe ici, et là ce sera l'air pollué. L'air pollué qui va être filtré et renvoyé dans le circuit. Mais ça on verra après. Donc l'air pollué arrive ici. Si c'est ni du gaz naturel ni de l'air pollué, ça arrive ici plus bas, ici l'hydrogène. Ensuite le CO2. On verra pour d'autres gaz par la suite. Bon, pour l'instant ce sera comme ça. Alors, oui. Oui, une fois que c'est ici. Alors, comment... Oui, une fois que ça sort ici, donc c'est du gaz naturel qui sera ici, plus d'autres gaz, hein. Ce sera pompé par les deux pompes qui sont là. Ça va arriver dans ce filtre ici. Si c'est du gaz naturel... Ça va être utilisé pour créer du courant. Si c'est pas du gaz naturel, c'est renvoyé dans le circuit ici. Donc ça c'est très bien. Ce que je vais faire encore donc, c'est le générateur. Alors transformateur de puissance, c'est pourquoi. Ah d'accord. Ça c'est pas mal, c'est nouveau. Je ne l'avais pas encore vu. Ah, un interrupteur pour ça ce serait pas mal non plus à mettre de l'autre côté, mais on verra après. Donc générateur de puissance par gaz naturel. Ok, alors on le met comment? On va le mettre ici par exemple. On a besoin, j'imagine, d'un tuyau de gaz qui arrive ici. Et qu'est-ce qu'il sort? Alors qu'est-ce qu'il sort? Ça c'est le gros problème. Oui. Le CO2. Donc ça fait ressortir du CO2 qui sera pris tout de suite dans le tuyau et donc qui va retourner dans le circuit. Comme c'est du CO2, je pourrais peut-être le mettre là, mais non, on va le mettre là-bas. Voilà.
il me manque encore juste un petit câble électrique ici. Voilà. On va pouvoir le prioritiser à 9. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Alors, il y a plein de bestioles qui sont apparues. Ça me donne une idée pour avoir de la nourriture à l'infini. Bon, déjà ici, j'ai zéro en nourriture. On va réouvrir le deuxième. Mais ça me donne une idée pour avoir de la nourriture à l'infini. C'est dégueulasse, mais pourquoi pas. Par contre, il y a des gens qui vont être complètement désespérés. C'est juste faire mourir quelqu'un dans une pièce. Hein, le faire mourir de faim parce qu'il ne peut plus manger, il ne peut plus rentrer, il ne peut plus dormir à part à terre. Et donc, cette personne va mourir à un moment ou à un autre et les morbes vont arriver. C'est des morbes, hein, c'est ça? Ouais, morbes. Donc voilà. C'est complètement dégueulasse, mais pourquoi pas. Alors, j'aimerais... Pour l'instant, on va s'occuper surtout des... De la nourriture, hein. Alors, le niveau d'eau descend, c'est bien. C'est très bien. Et là, il est assez descendu pour que la pompe fonctionne un peu. Ok. Ouais, toujours petit problème de pompe. Niveau 2, niveau 5, niveau 7, j'en veux aucun. Ok, alors on continue. Ici, on va nettoyer. Parce que ça m'énerve. On va annuler, on va dire nettoyer, mais à 9. Une fois qu'ils auront nettoyé la saleté, il y a toute l'eau qui va couler. Ça manque de courant, alors on va réactiver ici la pompe, enfin le générateur à hydrogène. Voilà. Ici c'est bon, plus besoin de nettoyer. On a accès aux cadavres s'il faut. Alors, on va mettre à 9 la production de nourriture parce que là, il n'y a personne qui y va. Tout le monde s'en fout. On va mettre à 9 aussi la construction ici de la tombe. On va pouvoir attaquer les morbes. Ça fait un peu de nourriture. Oui, oui, je sais que vous avez faim, mais ils vont pas assez vite pour faire à manger. Allez, un mort.
Bon. Heureusement que j'ai mis une deuxième tombe. Il faudrait éviter qu'il y en ait d'autres. Pour cela, faut faire de la nourriture. Allez, hop, à 9. On vient le placer. C'est pas déjà fait. Il est vide, voilà. Eb est rentré dedans, mais c'est pas Eb que je voulais mettre. C'est pas grave. Ici, il est à 9 aussi. Très bien. Alors, la nourriture, c'est de mieux en mieux. Ou pas, en fait. Heureusement, ici, il y aura le Millwood qui pourra être pris. Allez, les gars. Non, personne. Les priorités, je vais les mettre à 9 pour le Millwood aussi, là, parce que... Faut qu'il mange. Ça, c'est la priorité absolue. Ok. J'ai un peu plus de nourriture. Qui va tout de suite être mangée, mais c'est pas grave. Il y a un morbe là qui traîne. Allez, il est où le morbe? Attaque tout le monde. C'est de la nourriture. Très bien. La tombe ici, elle est vide. Faut la remplir. Toujours là, Hassan. Alors, ici, on va le déconstruire. Priorité 9. Faudra que je vérifie aussi toutes les priorités après. Mais pour l'instant, tout va bien. Le stress commence à rediminuer. Jusque là, ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, déjà, on va non, pas liquide, mais tuyau de gaz. En attendant, ici, on va voilà, on va faire ça. Priorité 9. Ici, toujours en priorité 9. On va nettoyer un peu.
tout le monde dort. Ok, il y a du nettoyage qui est fait, très bien. Parfait. Alors, les tuyaux. Ok, on va déconstruire les tuyaux qui sont là. Voilà. Donc ici, ça marche toujours normalement le gaz. Là, je vais mettre un filtre. Donc ici, un filtre à gaz. On le retourne. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Filtre à gaz à 9. Alors, 82, 83 en stress, Devon, tu es très stressé, Nisbet aussi, Lince également, ouais, bah, un peu tout le monde. Hein. Alors, il n'y a plus assez de... Donc, on va le désactiver, il n'y a plus assez d'hydrogène. Alors, ici, on va le mettre à 9. Maintenant. On peut le faire. Non, peut-être pas tout. La priorité. 1, 2, 1 partir d'ici. Alors, un nouvel arrivant. Architecte, chef. L'architecte, il peut pas construire. Ouais, ça, c'est complètement débile. Donc, non, il n'y a rien d'intéressant. 95% de stress. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi une... Alors, 13 000. Déjà, on va arrêter ici. 98% de stress. Devon, ça va. Tu es occupé. Oui, tu es là. Bâtiment qui manque de ressources, c'est quoi? Oui, c'est toujours le même. Je vais même le déconstruire, ça sert à rien de le garder. Ok, ici à 7, on va venir nettoyer le reste ici. Comme ça, après, je peux venir construire. On va annuler en attendant. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau polluée juste là. Donc ça, on va nettoyer. Nettoyer, nettoyer. C'est mop. Ok. On peut mop aussi. Là. 100% de stress. Il y en a un qui casse tout. Là, c'est bon. Encore ici à nettoyer. Nisbet. Ok, c'est bon. Il y a de l'eau qui coule.
On va annuler, Voilà. Ah mince, j'ai tout annulé ici. C'est pas grave. On va recommencer après. Alors ici, on continue. Câble électrique. Voilà et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, Lisbeth? Pourquoi tu ne vas pas... Bon, ici, je manque énormément de courant, hein, ça c'est... C'est le gros point noir pour l'instant, le courant. Donc, ce que je vais déjà faire... Un œuf. Voilà. A priorité 9. Jusqu'ici. Bah tout en fait, hein. Tant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Bien entendu, il commence... Des vrais ouvriers communaux, hein. Ils commencent à travailler juste avant de partir. Et encore, heureusement, c'est pas juste avant un week-end ou un congé. Enfin, c'est pas encore trop grave. 85%, le stress a bien diminué. Là, on ira nettoyer après. Allez, hop. 9. On va nettoyer. Très bien, c'est propre. Ici, on nettoie aussi. Ah ouais, mince. Ça servit à rien de nettoyer s'il faut encore des trous après. Et forcément, ils font les trous, mais ils les rebougent pas. Ils préfèrent nettoyer d'abord alors que ça va revenir. Allez, annule. Alors, hop, c'est bon là, maintenant on peut aller nettoyer ici. Voilà, il y en a un qui est à 100%, il va vite aller se calmer. Pendant ce temps, on va continuer donc à remettre une pompe. La pompe ici. Ensuite, isolant, tuyau de gaz isolé, comme ça. Ensuite, il lui faut du courant. Et bien le courant. Il va venir d'ici.
Ok. Faudra du courant rapidement. Qu'est-ce qui lui manque ici? Il fait trop chaud, fait trop froid. Qu'est-ce qu'il demande? Ok, non, il fait trop froid. Ah, il demande entre 25 et 45 degrés, quoi. Alors, il y en a toujours un qui tape et qui casse tout. Tu ferais mieux d'aller te faire masser, ma fille. T'as pété la porte en plus. Allez, 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 allez. On s'occupe de la nourriture. Toi ici, on va te mettre à 9. En espérant que c'est... Bon. Ça ne veut toujours pas, ok. Alors. Ok, tu vas faire à manger. Malheureusement... Tu restes pas longtemps étant donné que tu es stressé. Mais plutôt que d'aller sur une table de massage, tu préfères... Je sais pas quoi faire exactement. Tu es où? Je ne te vois plus. T'es là. Allez, vas-y, vas-y. C'est bon. Bon, t'y restes pas longtemps en plus. D'accord, tu devais aller aux toilettes. Alors, ok, on continue ici. Un nouvel arrivant, espérons qu'on en a un bon. Un chef qui est anémique, donc athlétique moins 5, on va le prendre. Alors, job. Tu peux cuisiner, il n'y a pas de souci. Ok. Là, je sens que ça commence à s'effondrer, hein, la colonie. Alors. Il nous faut ouais, de l'eau, ça on a pu se casser. Très bien. Ok, alors ici. Ouais, non, on va laisser. Non, on va faire juste en automatique. On n'a plus besoin que l'eau coule. Voilà. Alors, ça commence à pomper. Le gaz arrive là. Ici, il faudra du courant. Donc, ici, voilà. Un peu prioriser tout ça.
Voilà. Donc, je veux voir le gaz. Voilà, tuyau de gaz, ok. Toi ici. Allez, toi, je te déconstruis. Je n'ai plus besoin de toi. Ok. Alors, au niveau courant. Voilà. J'ai oublié de mettre la priorité toujours. Voilà. Ici, ouais, on est à 1500. On active le bâtiment. Ensuite, on peut continuer à faire les tuyaux. Alors, je réfléchis. Comment je vais faire ça? Ici, de toute façon, c'est nul. Donc, on va commencer à supprimer. Ok. On va même supprimer ici. On supprime là. Ok, on déconstruit et on vient mettre de l'isolé. Non, d'abord ici, en plein milieu, une petite ventilation. Et ensuite, voilà. Alors, on va mettre un peu plus de priorité pour le courant ici. Voilà. Très bien. Ce qui fait que on continue à supprimer. Voilà. Au niveau courant, on y va. Normalement, c'est relié, mais bien sûr, il n'y a pas assez pour tout. Alors, toi ici, je peux te désactiver. Toi, je te désactive pour le moment aussi. Alors, je recommence à avoir un peu de nourriture, ça c'est bien. Toi ici, je te désactive. Alors, au niveau du gaz, ça arrive jusque là. Ici, on avait dit que ce sera l'air pollué. L'oxygène pollué qui vient là. Ok.
continue. Ça arrive jusqu'ici. Ici, ce sera l'hydrogène. L'hydrogène. Et bien entendu, il faut relier, ce qui n'est toujours pas fait parce qu'il est à 5. Très bien. Et il sera bientôt l'heure d'arrêter. Bon, 83% de stress, ça diminue. 2000 calories, ça c'est pas super. Le gaz naturel qui est toujours là-bas. On va déjà ici casser un œuf pour que le gaz naturel puisse venir dans la pièce. On va également commencer la construction. Non, tant pis. On y va comme ça. La construction de la pompe. Alors ici, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque encore du... une sortie. Donc pour l'instant, on va lui mettre une sortie tout à fait banale. On va lui mettre une sortie ici. Et on va mettre ça à 9. Pour le moment. Alors, voyons, voyons. Comment ça se... comment ça se goupille. Ouais, bien sûr, il s'occupe du bas avant du haut, alors que c'est l'eau le plus important, hein. Ça, on peut pas leur en demander trop. Ok. Ok. Ici, on a dit qu'on mettait l'hydrogène. Hydrogène, il est où l'hydrogène? Il est là. Voilà. Maintenant. Bon, c'est encore un peu lent, mais... allez, ça commence à arriver. Ici, qu'est-ce que je dois filtrer? Déjà, est-ce que j'ai une sortie? Je n'ai pas vu. On va prendre quelqu'un. Et on va vraiment devoir être... ouf, niveau 12 technicien. Marie, je te prends. Ok. Donc là, on est de retour à nos 16. On va vite une fois voir. Donc, ici, les tuyaux. Là... il n'y a rien, il n'y a pas de sortie. C'est pour ça que ça ne va pas, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Tout ce qui est organique dans celui-là aussi. Et donc, c'est bien, ça commence à sortir. Il y a de l'hydrogène qui arrive ici, pas énormément, mais ça ne devrait pas tarder. C'est vraiment le manque de courant, hein, qui... là-bas, on voit que le gaz naturel descend, donc on va devoir faire une pompe en bas. Ok. Eh bien, on va faire ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que j'aurais oublié, ce que je n'aurais pas vu tout simplement, pour m'aider bien entendu dans la construction de ce de cette abyss lamentable. Laissez aussi un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, juste pour me dire que vous appréciez le let's play.
Bien entendu, abonnez-vous pour ne pas rater la suite si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez regarder d'autres vidéos, d'autres let's play. Et également, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. J'en serai très honoré. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye!